Abhyayantu mamangani. Om Abhyayantu mamangani. Vak pranas. Chakshushrotram mato. Balamindriyani ca sarvani. Sarvam brahmo upanishadam. Maham brahma nirakuryam. Mama brahma nirakarot. Anirakaranamastu. Anirakaranam me astu. Tadatmani nirate. Ye Upanishad Sudharma. Te mai santu. Shwetaketu. À nouveau, demande à son père. Vénéré père, j'aimerais mieux comprendre. Et l'exemple suivant. Et en fait, une variation, une expansion de ce qu'on a vu avant avec l'abeille, les différentes. Le miel, le nectar du monde provenant de différentes sources. Ici, tout ça est exemplifié encore mieux par l'idée des rivières. Donc, vous savez que les rivières en Inde sont pas juste des. C'est pas juste de l'eau. Ganga, c'est une déesse. Tout ce qui est ici, c'est pénétré par la présence, c'est supporté par la présence d'Ishvara. Il n'y a pas de distinction entre sacré et laïque. Tout est sacré. D'accord ? Tout est cette manifestation d'Ishvara. Et dans cet esprit-là, les rivières aussi sont une manifestation de la beauté, de cette source de vie, de ce moyen de purification qu'est l'eau. D'accord ? Donc, en ayant ça, ce contexte à l'esprit, ici on a des rivières qui ne sont pas juste de l'eau, mais des rivières qui sont des véritables, comme des jivas, des entités. Des entités vivantes. Alors ces rivières à l'est, cher fils, coulent vers l'est, et celles à l'ouest courent vers l'ouest. Elles sont nées de l'océan et se perdent dans l'océan, devenant elles-mêmes océan. Maintenant, cette analogie est familière. Là, aucune de ces rivières est en mesure de se dire, là, c'est-à-dire une fois qu'elles sont devenues et qu'elles ont fusionné avec l'océan, aucune de ces rivières n'est en mesure de dire, j'étais avant cette rivière-là, ou avant j'étais le Gange, ou j'étais le Mississippi, ou j'étais le Nil, etc. Elles sont toutes fondues dans cet un indifférencié, sans partie qui est ce saint. D'accord ? De même, toutes ces créatures, lorsqu'immergées dans le soi, ne connaissent plus leur différence. Nous sommes réunis dans le soi. Donc, de la même manière que ces rivières, quand elles reviennent, ou qu'elles reviennent à leur source, ou qu'elles se fusionnent avec l'océan, qui leur a donné l'essence ?
qui les a supportées. De même, quand elles reviennent, elles ne sont pas capables de se souvenir de qui elles étaient. De la même manière, toutes ces créatures qui sont tigres, lions, sangliers, vers de terre, papillons, temps, moustiques, quelles qu'elles soient ici-bas, ces créatures sont autour de cela et ne se souviennent pas de leur véritable nature. D'accord ? Donc juste une variation autour de cette idée de l'ignorance qui constitue ce corps causal et cette avalana shakti, vous vous souvenez, cette capacité de voilement, de recouvrement qui est inhérente à cet univers au niveau des individus. Alors, il y a une chose qui est importante ici et dont je voulais juste vous préciser, c'est que l'idée ici, vous voyez bien quand on parle du karma, du corps causal, etc., etc., c'est pas la visée de l'Upanishad n'est pas de nous dire voilà, ah, c'est comme ça que marche le karma, et bon, conduis-toi bien, là tu vas être puni, etc. L'idée c'est pas ça. Parce que vous voyez la nuance, l'idée c'est de ne pas entrer dans le détail de comment marche le karma. Comment expliquer que ce punya, par exemple, particulier, me donne et est connecté à une situation plaisante particulière. L'Upanishad ne s'intéresse pas à ces détails-là. Elle dit il y a des lois, il y a une toute-puissance, une toute-intelligence qui est capable de mettre ensemble un punya donné avec une expérience plaisante donnée. Et qui est capable non seulement à un niveau individuel, mais à un niveau collectif, de mettre tout ensemble. Comment se fait-il que deux frères, deux sœurs, ou un frère et une sœur, qui vivent dans la même famille, qui sont nés du même père et de la même mère, dans la même société, qui sont nés peut-être des jumeaux, même des jumeaux, sont nés en Allemagne, dans la même ville, à la même date, et pourtant, ils vivent des expériences totalement différentes. Incroyable. Donc il y a une partie qui est un prarabdha, un karma, entre guillemets, qui est collectif, ici dans le cas de ces frères et sœurs, ou ces deux frères et sœurs, mais il y a aussi une notion d'un karma qui est individuel. Donc après, on peut étendre toutes ces discussions et dire, oui, il y a peut-être quelque chose qui est du domaine de la nation, quelque chose qui est du domaine de l'espèce humaine, etc., etc. D'accord ? Donc une fois qu'on rentre dans ce monde du karma, c'est infini. S'il vous plaît, ne vous perdez pas dans ce monde-là. C'est encore une autre, c'est un océan sans fin. Le propos de l'Upanishad n'est pas d'aller là-dedans et d'en faire une réalité. En fait, tout le propos de l'Upanishad, c'est pas dire oui, et tu es un voyageur éternel et tu n'arrêtes pas de voyager de corps en corps. C'est pas ça le propos. Le propos de l'Upanishad est de dire tu n'es jamais né, tu n'es jamais mort. Tu n'es pas ce que tu crois. Même si tu croyais que tu étais ça, c'est pas vrai. Donc, et ça bien l'esprit, les différents niveaux d'enseignement et les modèles qui sont utilisés. Vedanta, ce n'est pas au sujet de la réincarnation, s'il vous plaît. C'est exactement l'opposé. Jamais tu ne t'es incarné, jamais tu ne te réincarneras. Tu n'es pas sujet à la mort et à la naissance. Et tu n'es pas sujet à la réincarnation. Tu es toujours cela qui est de tout temps et qui ne change jamais. D'accord ? C'est ça la vérité. Mais ça nous aide. Dans notre vie, dans ce monde de forme, ça nous aide à nous orienter, à nous donner un semblant d'explication à nos alternances de joie et de peine, à ces difficultés, à ces obstacles qu'on rencontre sur notre route, etc. À ce titre, c'est très bien. S'il vous plaît, ne vous perdez pas dans les méandres du karma. S'il vous plaît. Important. Hein? Alors, Shutaketu est toujours pas clair. Ça devient... C'est comme, vous savez, cette tradition de connaissance, c'est comme, Swamiji avait l'habitude de nous dire, c'est comme un processus graduel. Alors, il y a un processus graduel, vous vous souvenez des photos Polaroid à l'époque?
Qu'est-ce qui se passe quand on prend une photo pour la ruine? Les couleurs se dévoilent, imprimées. D'accord. Est-ce que la photo, comme maintenant avec le truc digital, est immédiatement, tiens, montre-moi, et puis c'est tout. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ça émerge petit à petit. Donc il y a une zone qui devient plus claire ici. On commence à deviner les contours. Et on commence à voir un peu qu'est-ce que c'est. Ah oui, là c'est Angelo qui est là. Là c'est un arbre. Là c'est etc. Et puis, il y a une clarté grandissante. Une clarté grandissante. Donc l'idée aussi ici, qui est indiquée par ces différentes répétitions et ces questions successives de Kshetaketu, c'est que il arrive à voir un peu plus clair au niveau, par exemple, de ce qu'est la nature du jiva. Il se dit, ah, cette idée de karma, c'est intéressant, c'est bien. Okay? J'arrive à voir aussi pourquoi le jiva et je suis ignorant de ma propre nature. En fait, tous les êtres partagent. Mais il y a d'autres zones de l'enseignement qui ne sont pas encore claires. Donc, alors, clarté grandissante. Donc, comme toute connaissance, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Okay? Il faut mettre un peu de temps, il faut méditer dessus, contempler dessus, il faut, comme Pierre-Jean le disait, tous les doutes et toutes les questions qui sont là, qui font obstacle à cette clarté. Un doute veut dire quoi? Un manque de clarté. D'accord? Un doute sur une question, mais qui est essentielle. Donc ce doute doit être écarté pour pouvoir laisser place à la fin. Il doit être adressé, examiné. Et à ce moment-là, on a ces processus de clarté grandissante. Alors, Kshetaketu, vénéré père, j'aimerais mieux comprendre qu'il en soit ainsi. Il est patient, son père. Il est très patient. Ça, c'est les enseignants, c'est ça qu'on apprend. Tout enseignant, en fait. Alors, qui est-ce qui veut lire le chapitre 11? Cher fils, si quelqu'un portait un coup de hache à la racine de ce grand arbre, il perdrait sa sève tout en restant en vie. S'il le frappait en son milieu, il perdrait de sa sève tout en restant en vie. S'il le frappait à son faîte, il perdrait de sa sève tout en restant en vie. C'est parce que l'âme de cet arbre est traversée par la vie, à laquelle il s'abreuve avec réjouissance, il continue à se dresser fermement. Quand la vie quitte une branche de cet arbre, cette branche s'assèchera. Si elle quitte une branche voisine, elle s'assèchera. Une troisième, elle s'assèchera aussi. Si elle quitte l'arbre entier, il s'assèchera entièrement. Sache, cher fils, que quand la vie quitte ce corps, celui-ci meurt, mais la vie, elle ne meurt. Ici, ce n'est pas la vie. Ici, c'est le jiva, l'être vivant. Lui, vous pouvez rectifier. Le jiva, l'individu. L'être vivant, le jiva, lui, ne meurt pas. Mais tu peux continuer. Je n'ai pas compris ce que tu dis. À la place de quoi? À la place de « mais la vie, elle, ne meurt pas ». C'est « mais le jiva, l'être vivant, l'individu, lui, ne meurt pas. » Et cet être qui est l'essence la plus subtile de toute création, il est la réalité de tous les êtres. Cette réalité, le soi, lui est cela. Jivata Ketu. Vénéré Père. Alors, ici, encore une variation autour du sujet de ce que j'ai déjà évoqué, corps physique, corps subtil, corps causal, à travers cet exemple de l'arbre. Bon, je vais aller rapidement, je pense que c'est un exemple qui est assez, exemple de l'arbre assez clair. De la même manière qu'un arbre, une partie de ses branches peut s'assécher et cette force de vie qui est dans l'arbre peut quitter une partie de cet arbre, mais l'arbre peut très bien continuer à être ce qu'il est. Mais il arrive des cas où cet arbre, l'arbre en,
en entier lui-même s'assèche et n'a plus cette sève, cette force de vie à laquelle il doit s'abreuver pour pouvoir continuer à vivre. D'accord ? Dans ce cas-là, cet arbre dépérit. Bon, il semble qu'il dépérit, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Si à un niveau de la... Donc là, on parle du corps subtil. Le corps physique, c'est les branches. Le corps subtil, c'est toute la sève qui alimente et qui donne la vie à tout cet arbre. Et dans cette analogie, qu'est-ce que va être le corps causal ? Les racines. D'accord ? Si les racines sont intactes, d'accord ? L'arbre va continuer à perdurer. Même s'il est frappé par la foudre, vous connaissez tout ça, oui. il va renaître. Maintenant, si... on s'arrête là, d'accord ? Donc, de la même manière, un jiva, de la même manière, un jiva, quand ce corps physique dépérit, d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand ce corps physique est abandonné, il y a... au niveau de la, au moment de la mort, le corps subtil lui-même s'en va de ce corps physique. Clair. Mais ce n'est pas la fin. C'est pour ça que ici j'ai rectifié. Mais le jiva, lui, l'être vivant, lui, ne meurt pas. Pourquoi ? Parce que le corps causal est toujours présent. D'accord ? Pour donner naissance à quoi ? À un nouveau corps. À un nouveau corps physique, à un nouveau combinaison de corps physique et de corps subtil. D'accord ? Donc, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, étant donné la grande introduction que j'ai faite sur les corps physiques et subtils. D'accord ? Sauveur, oui. Là, tu as dit, là, pour le corps subtil, l'âme, c'est le corps subtil ou le corps causal ? L'âme, je ne sais pas ce que c'est. D'accord ? Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. C'est à vous de me dire qu'est-ce que dans votre acceptation vous entendez par âme. Est-ce que vous arrivez à le raccrocher à corps subtil, au corps causal, je ne sais pas. Je dirais c'est... Jiva, c'est jiva. Moi je dirais c'est jiva, d'accord. D'accord. Mais bon, j'ai pas suivi le corps subtil, le corps causal, c'est pour ça que je... Ok. Michel va t'expliquer. Mais c'est simple, il va t'expliquer clairement. Vous voyez, quand il y a des questions comme ça, c'est un mot qui appartient à une autre tradition, à une autre culture, et il doit y avoir des significations pour ça. Donc, dans le cadre de cette culture-là, qu'est-ce que ça veut dire âme ? Maintenant, est-ce qu'on peut faire des parallèles ici ? C'est à vous de les faire. Moi, je ne connais pas assez ce mot âme qui peut prêter à confusion, parce que soit on va dire c'est le corps causal, effectivement le jiva, soit on va dire l'âme c'est ce qui est mortel, et on va parler du soi. Mais où est-ce, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a un concept d'un soi immortel dans ces traditions-là ? J'en sais rien. À vous de me dire. Moi, ce que je constate juste, c'est que dans ce que tu dis, je ne vois pas où on peut mettre l'âme. Ouais. Voilà. Ça a plus sa signification dans ce que tu nous enseignes. Ok. Je ne vois pas où. Voilà, alors est-ce que c'est l'âme, ça veut dire exactement l'être ? Est-ce que c'est la réalité du jiva lui-même ? Alors je ne sais pas où est-ce qu'on est. Donc restez avec ce vocabulaire-là, c'est des mots techniques qui ont une signification bien précise. Et des mots vagues comme ça, esprit, âme, Dieu, j'utilise pas. Hein ? Ça ne communique pas. Mais on n'avait pas de... Exact. Moi, quand tu annonces qu'on t'enseigne de cette façon-là, ça nous a tellement appuyé loin. Ça n'a plus de signification. Mais il faut arriver à réconcilier quelquefois. Donc, essayez de voir dans des écrits de philosophes ou des écrits de théologiens, etc. Il doit y avoir des définitions. Ces théologiens aussi ont quelque chose. Donc, il faut voir. D'accord. Et dites-moi, qu'est-ce que vous trouvez ? Ça m'intéresse. Okay. Alors, donc vénéré père, j'aimerais mieux comprendre. Je vais taquer tout. Donc, le père continue. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que jusqu'à maintenant, ces différents exemples s'attachaient à examiner la nature de l'individu, à travers cette idée que l'individu n'est pas qu'un corps physique, ni qu'un corps subtil, mais il y a quelque chose d'autre qui est un corps causal. Et en fait, l'individu n'est, la nature véritable de l'individu, est cela qui est, comme l'eau pour la vague,
là, le satyam de, du corps physique, du corps subtil et du corps causal. D'accord ? Ok ? Donc, c'est ce qu'on a vu à travers ces exemples-là, jusqu'à maintenant. Maintenant, on va passer, c'est intéressant de voir une Upanishad comment elle progresse, elle va passer au niveau de l'examen de la cause de l'univers. Vous allez voir tout de suite, le registre va changer. Les exemples vont pointer vers autre chose. Ils ne vont pas pointer vers l'individu et quelle est sa nature, mais vont pointer plutôt vers Ishwara, la cause de l'univers. D'accord ? Donc, des très très belles analogies ici. Qu'est-ce qu'il veut dire la suivante ? Le chapitre 12. Apporte-moi un fruit de ce figuier. Le voici, Père. Ouvre-le. Voilà, il est ouvert, Père. Qui vois-tu ? Bien, Père. Son Père alors lui dit : Cher fils, cette particule infinitésimale en laquelle tu ne vois rien, sache que c'est son imperceptible essence que provient l'arbre immense qui se tient devant toi. Puisse cela te servir de foi, mon fils. Et cet être qui est l'essence la plus subtile de toute création, il est la réalité de tous les êtres. Cette réalité, le soi, tu es cela, c'est ta coupe. Vénéré Père, j'aimerais mieux comprendre qu'il en soit ainsi. Alors, vous voyez qu'on change le registre, d'accord ? C'est une question que j'avais abordée quand j'ai commencé à parler de la cause de l'univers. Quand j'ai introduit cette distinction qui est... Ouais. Moi, je comprends pas, parce qu'à un moment, quand il nous voit la fille, ouais. Et une mauvaise foi, ouais. C'est tellement petit. C'est tellement petit que... Là, il dit rien. C'est une particule infinitésimale. C'est pas rien, exactement. Dans le sens où c'est très subtil. Là, l'idée, c'est d'indiquer quelque chose qui est si petit et si subtil. Et imaginez qu'est-ce qui est contenu dans cette graine qui est si petite et qui va donner naissance à un figuier, comme je vous l'avais dit, qui est immense. Immense. Vous avez vu des figuiers en Inde ? Qui est-ce qui allait en Inde et qui a eu des figuiers là-bas ? Ouais. Donc c'est pas des figuiers de 2 mètres, 3 mètres de haut. Hein ? C'est pas des figuiers de barbarie. Ouais, c'est des figuiers, des ficus religiosa. Donc ici, c'est pas des figuiers de barbarie, c'est des ficus religiosa, des banyans. Ça existe en français, banyans ? Hein ? Des arbres banyans. Mais ce qui est intéressant, là, je trouve aussi, c'est que, en fait, ça fait un cercle, quoi, la cause et l'effet. Ouais. Et puis, ben, l'effet, tu produis de nouveau une graine. Exact. Et donc, ça fait exact. Un cercle. Exact. Exactement. Comme l'humain. Hein ? Comme l'humain. Exactement, comme l'humain. Très bien. Super. D'accord ? Très bien. J'ai pas entendu ce que tu dis. Je dis que la cause, donc, la graine produit l'arbre, et l'arbre, donc l'effet, produit de nouveau une graine, c'est-à-dire de nouveau une cause. Ça va faire un cercle. Donc l'idée ici, c'est de dire, c'est de répondre par une image à la question qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang. Ici, tout cet univers, ils disent, c'était un point. C'est même pas un point géométrique, puisqu'il n'y avait même pas d'espace et de temps. Donc là, on est en train de dire, à travers cette image qui est très parlante, dit l'ensemble de cet univers, on est en train de le résoudre à quelque chose qui est d'infiniment petit, mais à la fois infiniment grand. Il n'y a plus de notion de temps et d'espace qui soit valable à ce moment de soi-disant l'origine de la création. Je vais revenir à ça. Parce qu'on est dans le domaine du non-manifesté. L'intelligence qui est là, qui est contenue dans le figuier, la même intelligence imaginée, cette intelligence qui est un état indifférencié ou non manifeste, et qui va donner naissance à l'ensemble de l'univers, avec ce qu'on connaît de cet univers, c'est 14 milliards d'années d'histoire et d'évolution. Tout est déjà là, d'une certaine manière. Alors non seulement ça, mais ce n'est pas une vision où il y a un point zéro d'origine. Comme dit donc Katia, on est dans un cycle. Un cycle. Les physiciens ne sont pas là du tout. Hein. Les astrophysiciens ne parlent pas de ça.
D'accord. Il se demande, est-ce qu'il y avait, il va y avoir des périodes d'expansion de l'univers et ensuite de crunch. Comment on dit en français crunch ? Contraction. De contraction de l'univers. Donc, il leur manque des éléments, qui, notamment la densité initiale de matière, des choses comme ça, pour dire est-ce que ça va continuer à s'étendre ou bien est-ce que ça va revenir à l'état non manifesté. Donc la science moderne ne répond pas là-dessus. Les Upanishads nous donnent un modèle qui est un modèle cyclique, dans lequel il n'y a pas de début et pas de fin. D'accord. Vous voyez la différence. Voilà. Je pense que ça, c'est assez clair. Est-ce que j'avais aussi abordé cette question en disant « Oui, mais ce non manifesté qui était à l'origine de l'univers, comment est-ce que je peux l'apprécier ?» Comment est-ce que je vais remonter à 14 milliards d'années avant la création de cet univers et essayer d'avoir l'expérience du non manifesté ? Pas besoin. Oui. Non manifesté, j'en ai l'expérience tous les soirs quand je dors. Il faut revenir ici. Où tout le temps et l'espace et tout l'univers se résout à l'état non manifesté, puis paf, après je me réveille et tout s'allume à nouveau. Okay. Ou alors ici même. J'ai l'expérience de ce passage continuel du non manifesté au manifesté, du manifesté au non manifesté, etc. Continuel. En fait, la création, c'est pas quelque chose qui est statique, c'est tout le temps manifesté, non manifesté, manifesté. Tout le temps. Il n'y a que ça en fait. C'est extraordinaire. Donc, ces deux notions que je voulais vous redire. Et on va passer maintenant à quelque chose d'important. Alors, Daniel m'a posé une question qui est la suivante. Elle m'a dit, quelle est la différence entre Ishvara, d'accord, cette intelligence infinie et ce pouvoir infini capable de projeter tout cet univers, et Brahman, cet être. Et Satya. Et cet être, ce Sat, qui est septième en termes de réalité. Alors, est-ce que cette question, est-ce que vous l'êtes posée ou pas ? Non. Non ? Alors, en d'autres termes, je reformule la question autrement. D'accord ? Qu'est-ce qui est plus fondamental en termes de réalité ? Est-ce que c'est cet Ishvara qui est cette intelligence, ou cette connaissance infinie, ce pouvoir infini de créer toute chose, ou est-ce que c'est Brahman ? Est-ce que c'est cet être qui est présent ici et partout, qui n'a jamais subi aucun changement, aucune modification, et qui est disponible ici, évident de lui-même, et qui n'a pas besoin d'être objectivé ? Alors, qu'est-ce qui est plus fondamental ? Brahman. Pourquoi ? Parce que c'est l'argent. Hein? Parce que c'est l'argent. Ok. C'est ce qu'il y a. Hein? C'est qui précède. Ok. D'accord, c'est bien. Vraiment? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça avec une analogie dont je vous ai parlé? L'océan, la mer et la vague. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut dire? Que la mer c'est Brahman, que l'eau c'est Brahman. D'accord. L'océan c'est Ishvara. Ishvara, voilà. Et la vague. L'individu. D'accord. Vous êtes avec moi ? Donc c'est clair. Qu'est-ce qui est plus fondamental en termes de réalité entre l'océan et l'eau ? L'eau. D'accord. Donc. Essayons d'expliquer un peu mieux maintenant ce passage de cette idée de cette équation Jiva et Ishvara. Avec deux mots en sanskrit que vous allez comprendre tout de suite. On va tout de suite essayer de voir Jiva, Ishvara et Brahman. D'accord ? La réalité de Jiva et la réalité de Ishvara. Je vais introduire deux mots pour vous expliquer ça. Alors, un est le mot upadi. Upadi, en sanskrit. J'ai pas de. En français, ils disent
un adjunct, je ne sais pas ce qu'ils disent. Bon, laissez tomber le français, restons sur le sanskrit, je vais le définir. Upadhi, c'est ce qui emprunte en apparence, les qualités de quelque chose qui est proche. Upadhi. C'est un upadhi prend, emprunte en apparence les qualités de quelque chose qui est proche. Ok ? L'autre mot va être upahita. C'est cela qui transfère en apparence. Pardon, c'est l'inverse. L'upadhi transfère en apparence les qualités à quelque chose d'autre, et l'upahita est cela qui emprunte. D'accord ? Excusez-moi, c'est l'inverse. Est-ce que vous êtes bon là ? Je vais vous l'expliquer avec un exemple. Alors. Upadhi, c'est le transfert. Ouais. Ah, deux choses. D'accord ? On a Upadhi et Upahita. Ok ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand ce cristal est à proximité, ou bien de ce tissu est à proximité de ce cristal, qu'est-ce qui se passe ? De quelle couleur est le cristal ? Rouge. D'accord ? Maintenant, de quelle couleur est le cristal ? Blanc. Hein ? Je vois blanc. Toi, tu vois blanc ? Ouais, je vois blanc. Je suis opticien. Je sais, on va acheter des lunettes bientôt. Alors, mais ce qu'il dit est juste, d'accord ? On va voir, d'accord ? Donc, en apparence, les attributs de cette pièce de tissu sont transférés et sont prises pour on considère qu'elles appartiennent au cristal. Quand on pose la question, on dit le cristal est devenu rouge. Mais en réalité, est-ce que le cristal a vraiment pris la couleur rouge ? Non. 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 D'accord ? Ok ? Imaginez ce qui se passe ici. Ça ne jetait pas dans le four. Hein ? Il n'y avait pas trop de four. Hein ? Si j'étais pas trop dans le four. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour comprendre que la nature du cristal n'est jamais en aucun cas affectée par les qualités qu'elle semble avoir prises ? Il faut que je fasse une expérience précise. Est-ce qu'il faut que je détruise le cristal ? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose avec le tissu ? Qu'est-ce qui est nécessaire ici ? Qu'est-ce qui est nécessaire ? D'accord. Ok ? Comme il dit, lui, il a dit, hey, le cristal est blanc. Il avait déjà vu que le cristal était blanc. En fait, il est dénué de toute couleur. Et c'est pour cette raison que le cristal peut endosser toutes les couleurs qu'il veut. Là, vous vous demandez, où est-ce qu'il va en venir maintenant ? Quelqu'un a deviné où je veux en venir ? Jiva. Jiva, conscience, être, dépourvu de toute qualité, de tout attribut. L'upadhi est quoi ? L'upadhi du jiva. Le transfert. D'accord ? C'est les qualités du corps, physique, subtil et causal. Ces qualités semblent quoi ? Appartenir au cristal. À la conscience, à cet être. Mais en réalité, quand je
J'examine la nature de ce jiva, de ce cristal, je me rends compte qu'il n'a jamais pris en réalité les qualités de ce corps. Ok ? L'expérience ici, la perception, l'expérience que j'ai en tant que jiva, c'est quoi ? C'est que les qualités du corps sont les miennes, les qualités de mon mental sont les miennes, les qualités de mes émotions sont les miennes, je souffre, etc. Donc la confusion ou la non-distinction entre ce qui appartient à l'upadi et ce qui appartient à l'upayita, l'ignorance. Et il y a des choses qui sont mêlées. Tout ce qui est nécessaire, c'est quoi ? Se démêler. Et l'expérience peut continuer à escalader. L'expérience peut perdurer. Mais je sais très bien quoi ? Qu'en réalité, le cristal, à aucun moment, ne prend la couleur rouge, ni aucune autre couleur. L'expérience que j'ai, une fois que j'ai cette connaissance, c'est que je sais très bien qu'est-ce qui appartient au domaine de l'upadi, du corps physique, etc. Mais je sais très bien aussi qu'est-ce qui appartient au domaine de satya. Les deux semblent être absolument mêlés. Je n'ai pas besoin, comme j'en ai parlé en haut, de me dissocier et de dire « oui, je suis un témoin et je suis en train d'observer tout ce qui se passe ». Non, c'est impossible de se dissocier. Vous ne pouvez pas avoir de la conscience qui soit juste pure ou unique. Ici, à partir de cette expérience en tant qu'être humain, vous n'aurez jamais cette expérience de cette conscience pure, unique, dépourvue de rien. Elle est toujours mêlée. Mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est quoi ? Ici, par la pensée, savoir qu'est-ce qui appartient au niveau de Mithya et qu'est-ce qui appartient au niveau de Satya. Est-ce que c'est clair ? Alors même que tout se passe, que tout change, vous savez très bien que les changements interviennent au niveau du corps, que les changements interviennent au niveau des émotions, au niveau des pensées, etc. C'est une réalité, elle est là. Jamais affecté par ces changements en apparence. C'est comme si j'avais endossé, c'est comme si en tant que jiva, la conscience avait endossé les limitations et était confinée dans ce corps. En réalité, elle n'est jamais confinée dans ce corps. Cette conscience n'est pas confinée dans ce corps. Un autre exemple. On va continuer de l'autre. L'espace. Là, il y a un certain espace qui est l'espace peau. Il y a un espace ici. Et il y a un espace aussi qui est cet espace de cette salle. Notre espace qui va être l'espace qui va être, je ne sais pas, l'espace qui est dans votre ventre qui peut-être déjà commence à avoir faim. Il y a peut-être certains aussi qui ont un espace ici aussi, au niveau de leur mental. Est-ce que l'espace est vraiment divisé par toutes ces formes ? Est-ce que vous pouvez dire que l'espace est limité ? Est-ce que l'espace est limité ? Cet espace-là, est-ce qu'il est limité par ça. Oui. Hein ? Oui. Oui ? Ben, l'espace intérieur du pot est dans le pot. C'est une question de... Quel de espace de vue, hein. C'est toujours le même espace. C'est-à-dire l'espace qui est intérieur du pot. Oui, mais il y a... Entre l'espace là et l'espace dans le pot, il y a le pot. Oui, mais c'est dans l'espace. Mais c'est moi qui le rends limite. Si tu enlèves le pot, l'espace, il est encore là. Alors... Je ne parle pas de l'air. Hein. Voilà, okay. Je ne parle pas de l'air. Il y a bien certaines molécules d'air ou de gaz ici qui sont spécifiques et qui sont confinées et qui sont bien à l'intérieur de ce pot. C'est pour ça que quand vous fermez un récipient, d'accord, et qu'il peut y avoir une odeur de vin ou d'ail ou d'épices ou de quoi que ce soit, ou de banane. D'accord, je ne suis pas en train de parler de l'air. Hein. D'accord. Je suis en train de parler de l'espace. Alors, parce que si tu dis que l'espace est confiné et limité, il est découpé par ce pot, ça veut dire que quand je déplace ce pot, qu'est-ce qui se passe ? Je continue à découper l'espace
et j'amène cette portion d'espace avec moi. Oui. Magique. Moi, ça m'irait, ça. Ça voudrait dire qu'il y a une vibration qui suit, il y a une forme qui suit cette forme. Moi, j'ai du mal. Oui. Là, c'est comme quand on est dans l'eau et qu'on peut être dans l'eau, mais il y a toujours autour de nous. Mais là, non, je ne parle pas de l'eau, moi. Moi, je parle de l'espace. Attention, j'ai choisi l'espace et pas l'eau. Et pas l'air non plus. L'espace. Je suis d'accord, l'espace, d'accord. Vous me suivez ? Ouais. L'espace, comme s'il a été délimité ou confiné à l'intérieur de ce pot, mais en réalité, il n'est pas confiné et délimité. En fait, c'est l'espace qui est un, qui accueille tous les différents éléments et tous les différents objets qu'il peut y avoir. L'espace ne se déplace pas. Il n'est pas remplacé. L'espace qui est ici n'est pas remplacé par un autre espace, parce que ce pot arrive et il amène son propre espace, non ? Est-ce que c'est clair ? Ok, ok. D'accord. De la même manière, cette conscience, est-ce qu'elle est confinée, cette conscience ? Notre approche de notre conscience, de ce mot conscience, c'est de dire, cette conscience est confinée à l'intérieur de cet espace-là, qui est délimité par quoi ? Par ce corps. En réalité, est-ce que vous pensez que cette conscience est délimitée ? Qu'est-ce qui se distinguerait cette conscience si elle était délimitée ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs consciences. Ça veut dire qu'il y a une conscience qui est à l'intérieur d'Angelo, il y a une conscience qui est ici, et une conscience qui est ici, il y a une conscience qui est ici. Qu'est-ce qui me ferait distinguer ces consciences-là, ces soi-disant différentes consciences ? C'est quoi ? Leur corps. Ah, on a vu déjà, la conscience n'est pas le corps. Tu nous appelles où tu veux, quoi. D'accord ? Donc vous m'amenez une distinction en termes de choses qui n'appartiennent pas, que j'ai déjà évacuées comme étant mon jeu. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de limite à cette conscience. Mais l'illusion tenace qu'on a, vraiment tenace, c'est qu'on identifie, on croit que cette conscience est juste la conscience de l'état de veille, et que c'est un résultat de processus neuronaux et chimiques électriques, et donc, bien sûr, celle-là, cette conscience de l'état de veille, suivie de la conscience de l'état de sommeil qui est différente, avec des ondes différentes, et états de sommeil profonds et rêves différents, c'est, je ne parle pas de ça. Je parle de cette conscience ou de cet être qui est le septième de tous les états de conscience, et qui est le septième de toutes les formes de vie et de toutes les formes de tous les objets qu'il y a dans l'univers. Où est là une délimitation ou le confinement pour cette conscience, pour cet être ? Ok ? Alors, on revient à ça. Quel est le problème de cet exemple ? C'est qu'il y a un mouvement derrière le spectacle. Ça, ce serait bien en fait, parce que le corps change tout le temps, les pensées changent tout le temps, les émotions changent tout le temps. Alors, c'est quoi le problème ? Ah, c'est un... La limitation de cet exemple. C'est un exemple précis. Ouais. La limitation, ouais, c'est l'observateur. C'est le bon chemin. Ouais. La limitation, un exemple, c'est toujours, ou une analogie, c'est toujours quelque chose qui essaie de bâtir des ponts ou des parallèles entre quelque chose et quelque chose d'autre. Or, ce quelque chose d'autre dont on parle ici est quelque chose qui est... C'est exclusif au lieu d'être inclusif. Exactement. D'accord ? Mais ici, plus précisément, la différence, c'est que ici, il y a deux objets. C'est pas que la conscience, il y a un truc qui est la conscience et un autre truc qui est les objets physiques et subtils et causales. Souvenez-vous de ça. Il n'y a pas deux trucs. Il y a un qui est septième et un qui est mitième. Ici, il n'y a pas deux trucs. J'ai pas d'analogie ou d'exemple pour vous montrer. Donc c'est à vous d'essayer de reconstruire ça. Est-ce que vous voyez ça ? L'upadi et l'upaita. L'upadi est lui-même et mitya. Ce corps, quand j'examine, qu'est-ce que je trouve ? Il ne dépend que de cette conscience. Il n'y a pas deux objets. Okay ? Important de savoir aussi ça. Parce que sinon, vous allez croire qu'il y a quelque chose qui est transparent et cristallin.
et qui est à l'intérieur de vous et qui ne change jamais et qui est partout. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ok ? Est-ce que vous me suivez ou pas ? Pas à 100%. Ouais. Okay. C'est pas grave. C'est un point extrêmement. C'est un point de détail qui est important, mais c'est un point de détail. Est-ce que c'est par exemple quand tu dis je suis pas Katia, mais je suis aussi Katia. Je veux dire. Exact. C'est inclusif, c'est pas exclusif. Exactement. Ouais. C'est bien. Alors, autre chose maintenant, parce que là on a vu le jiva et la conscience. L'être. Maintenant, comment est-ce que je résous cette idée que Ishvara et Jiva sont identiques ? L'upadi du Jiva, d'accord ? L'upadi. Le Jiva et cette conscience, avec cet upadi qui est un corps physique et subtil, et causal. D'accord ? Elle semble être délimitée. Elle semble être enfermée, elle semble être uniquement ce jiva. Maintenant, Ishvara, c'est quoi ? Ce qui met ensemble. Ouais. Alors, Ishvara, c'est quoi ? C'est un autre upadi, en fait, c'est tout. Un autre upadi, mais un upadi qui n'est pas juste un petit corps subtil et physique et causal, c'est quoi ? C'est toute intelligence, c'est toute puissance qui est capable de quoi ? De projeter tout l'univers. Donc, Brahman, cette conscience, semble avoir pris les attributs de devenir, semble en apparence être devenu Ishvara, mais en réalité, il n'a subi aucun changement. Est-ce que vous voyez ça ? Revenez à cette analogie de... Exactement. L'analogie ici, revenez à cette analogie de l'océan et de la vague et de l'eau. L'eau semble avoir pris en apparence, du point de vue de la vague, cette forme de vague. Mais elle n'est jamais à aucun moment confinée ou délimitée par les attributs de cet upadi, de cette vague. L'eau. De la même manière, l'eau semble avoir pris les attributs de quoi ? L'être partout de cet océan. Mais l'eau n'est pas juste un océan, elle peut être la pluie, elle peut être les rivières, elle peut être des gouttelettes, tout. La pluie, c'est un autre upadi. Oui, là j'étends un peu l'exemple. C'est un autre upadi, exactement. Est-ce que vous voyez là ? Où est-ce que je veux en venir ? Est-ce que c'est clair ça ? Oui. Ou pas dit ou pas état. Donc on est en train de. Je vois pas bien la différence entre ou pas dit et ou pas état. Ou pas dit. Pardon. Ou pas dit. Ouais. Un autre ou pas dit. Et ou pas état. Ok. Petit ou pas dit pour Jiva, pour l'individu. Qui fait apparaître cette conscience qui est illimitée comme étant confinée dans ce petit corps. Non, en réalité, elle n'est pas confinée ni limitée. Et grand, immense upadi avec une puissance énorme pour Ishvara. Okay. Alors. Donc, cet être qui est l'essence la plus subtile de toute création. Il est la réalité de tous les êtres. Cette réalité, tu es cela, je suis ta quête. D'accord ? Tu es cela. La conscience avec l'upadi du jiva, ou la conscience avec ce soi-disant upadi de l'ishvara, en fait, n'est que cette conscience qui est limitée. Et cela, tu es. D'accord ? Ok ? Alors, troisième chapitre 13. Très intéressant aussi. Une expérience. Le père dit à son père de faire une expérience pour lui faire comprendre quelque chose. Vraiment, une expérience genre expérience de labo, c'est vachement rare. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je suis taqué tout, voilà, je te donne du sel. Et prends cette poignée de sel dans cette eau qui est ici et reviens me voir demain matin.
lendemain, son père s'adressa à lui, « Apporte-moi le sel que tu as mis dans l'eau hier soir. » Donc Shotakeshu le cherchant en vain dans l'eau, mais ne le vit pas. Ne le vit pas. Le sel s'était complètement dissous dans l'eau. « Mon fils, prends une gorgée de la surface de cette eau. » À la surface de cette eau, prends une petite gorgée. « Que goûtes-tu ? » ?»« Eh, c'est salé. » « Prends une gorgée maintenant au milieu de cette eau. » Qu'est-ce que tu goûtes ? Quel est le goût de cette eau ? C'est salé. « Prends une gorgée du fond de cette eau. » Que goûtes-tu ? C'est salé. « Jette l'eau maintenant et approche. » Il s'exécuta et dit, « Ah, le sel y est toujours. » Donc, le père, donc maintenant, donne le résultat ou l'interprétation de l'expérience. « Cher fils, tu ne peux pas voir ce qui est réellement présent dans cette eau, et pourtant cela s'y trouve. De même, cela se trouve dans le corps, dans ton corps. » Alors, c'est intéressant cette expérience parce que elle répond à une question que beaucoup de gens se posent, que je me suis posée et que vous vous êtes peut-être posée. Dans le cas du pot de l'argile, ou bien de l'eau et de la vague, etc., qu'est-ce qui se passe ? Quand je veux voir, je suis capable de voir avec un certain moyen de connaissance, en l'occurrence ici mes yeux, à la fois ce qui est septième et ce qui est mitième. D'accord ? Mais alors, la question peut devenir, de la même manière que je vois ici cette argile qui est le septième du pot, si cela, ce sat, cet être non-duel, qui est la réalité de toute chose, est présent dans toute la création et le septième de toute la création, comment ça se fait que je ne le vois pas ? Donc l'idée est de dire ici, de la même manière que cette pincée de sel, tu la voyais avec tes yeux, mais une fois qu'elle est dissoute dans l'eau, tu ne peux pas utiliser ta vision pour voir cette eau qui est dissoute dans l'eau, ce sel qui est dissoute dans l'eau. De la même manière, il faut que nous utilisions un autre moyen de connaissance, un autre moyen de connaissance que juste la perception, cette tentative de voir ce septième, de l'objectiver par différents moyens de perception, ne marcheront pas. Donc il faut recourir à un autre moyen de connaissance. Est-ce que c'est clair ça ? Est-ce que c'est clair ? Donc la question suivante va être, quel est cet autre moyen de connaissance ? Okay ? De la même manière ici, qu'est-ce que tu as dit, Jean-Pierre ? Il faut goûter Brahman partout. Il faut goûter partout et vous allez trouver Brahman partout. S'il est salé. Alors, s'il est salé. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que, avec cette autre moyen de connaissance, qui est le fait de goûter à différents niveaux de ce seau, cela qui est présent partout, comme ce septième est présent partout, et si j'arrive par ce moyen de connaissance à le goûter ou à l'appréhender, le percevoir, en faire l'expérience, et utiliser tous les mots que vous voulez, cela, je le verrai partout. J'en ferai l'expérience, je goûterai comme le caractère salé de cette eau qui est partout, je serai en mesure de voir, d'apprécier la présence de cela partout en toute chose, comme étant le septième de toute chose. Mais il faut un autre moyen de connaissance. Quel est ce moyen de connaissance ? L'expérience. Là, c'est le goût. Non. Là, pour l'eau, oui. Pour l'eau, oui. L'eau salée, c'est la le goût. La connaissance. Quelle est cette connaissance et la connaissance ? Alors, c'est la connaissance qui est produite. Quels sont les moyens de connaissance dont on dispose ? Vous voulez connaître des choses, d'accord ? Oubliez Brahman. Vous voulez connaître des choses. Quels sont les moyens de connaissance dont vous avez à votre disposition ? L'expérience est-elle un moyen de connaissance ? Les livres, les enseignements. L'expérience, est-ce que tu veux dire la perception ? Différentes formes de perception ? L'expérience, l'expérimentation. Définis l'expérimentation.
De faire des expériences. Alors, expérience, ça veut dire que tu vas mesurer des choses. Tu vas mesurer des choses. Tu vas mesurer des qualités. D'accord ? Donc, c'est. Et ensuite, tu vas avoir des modèles. Tu as des théories explicatives, etc. Donc, ces expérimentations-là font référence quoi ? À des données de la perception. Que ce soit de la perception brute issue des yeux, l'observation, d'accord ? Je veux juste affiner le mot expérimentation pour que ce soit clair. Pour qu'on ne tombe pas dans cet excès dont on a parlé. Bon, pas cet excès, ce travers dont on a parlé. Alors, moyen de connaissance habituel, moyen primaire brut de connaissance, c'est quoi ? Les cinq sens. À ces cinq sens, qu'est-ce qui se passe ? À partir des cinq sens, moi, je n'arrive pas à arriver ou à construire un modèle de l'origine de l'univers et du Big Bang. D'accord ? Différentes formes de raisonnement. D'accord ? Si vous prenez des cours d'épistémologie et aussi des cours de Vedanta, si on a plus le temps, on verra le détail. Il y a différentes formes de raisonnement qu'on utilise tout le temps. Des déductions simples, des généralisations, des inférences, des preuves par l'absence, etc., etc. Des preuves par l'absurde. Tout ça nous permet d'organiser des données du sensible, les confronter en elles, etc., de manière logique, et d'arriver à une certaine connaissance. Exemple simple, je vois de la fumée sur la montagne ici. Qu'est-ce que je dis ? Il y a un feu. Il y a un feu. Est-ce que tu as vu le feu ? Non. Non. Alors, sur quelle base es-tu arrivé à cette connaissance qu'il y a un feu sur la montagne ? Sur quelle base ? Comme le serpent et la corde. La déduction. Hein ? La déduction. La déduction. Ok. Alors, sur quelle base ? Il y a une relation qui s'appelle la concomitance invariable. À chaque fois qu'il y a de la fumée, il y a du feu. Donc, sur cette base-là, qui est une relation invariable, je construis une déduction qui est dite de dire, étant donné que maintenant je vois de la fumée sur la montagne, et puisque tout le temps, ils sont ensemble, en conséquence, il y a le feu. Okay. Moyen de connaissance. Il y en a beaucoup, d'accord ? Ça, c'est une des formes de raisonnement qui vous est disponible. Pour arriver au Big Bang, ce n'est pas juste une déduction simple. C'est une suite de déductions avec des si et alors, et parce que, et si ça est vrai. C'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est ça l'esprit humain. C'est comme ça que j'arrive à écarter l'ignorance et arriver à la connaissance de choses. En ce qui concerne cela qui est dépourvu, qui n'est pas une espèce parmi d'autres, qui n'est pas un membre d'une espèce, vous vous souvenez de ça ? Les manguiers, différents d'une autre espèce, Brahman, est-ce que c'est une espèce comme l'espèce humaine ? Non. Est-ce que c'est un membre d'une espèce, peut-être ? Non plus. Est-ce que c'est une partie, peut-être, d'un des membres de l'espèce humaine ? Non plus. Ou de toute espèce que ce soit. Est-ce que c'est un objet ? Est-ce qu'il a une forme ? Est-ce qu'il a une couleur ? Est-ce qu'il peut être goûté ? Est-ce qu'il peut être vu ? Est-ce qu'il peut être senti comme une vibration ? Non. Rien de tout ça. Comment est-ce que je vais parvenir à le connaître ? Comment ? J'ai aucun moyen de connaissance. Les moyens de connaissance habituels que j'ai à ma disposition ne sont d'aucune utilité. Alors, est-ce que ça veut dire que maintenant je vais m'embarquer dans quoi ? La lecture du livre. Ah, voilà. Les mots. D'accord ? Vedanta, c'est pas une philosophie, c'est pas une religion. C'est quoi ? C'est un moyen de connaissance sous la forme de mots. Ces mots sont utilisés par cette tradition d'enseignement et donc par les enseignants qui ont été exposés à cette méthodologie pour pouvoir vous faire voir des choses. Il y a des méthodes. On utilise les mots pour vous faire voir des choses. Donc ce moyen de connaissance est sous la forme de mots et comme un miroir. Comment est-ce que vous voyez à quoi vous ressemblez ? Vous avez besoin d'un miroir pour vous voir. Donc là, moi, les mots des Upanishads sont quand même un miroir que j'utilise
que j'utilise pour vous faire apprécier votre véritable nature. Voilà mon connaissance. Oh. Alors, chapitre 14. Qui est-ce qui veut lire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ariel ? Ayant fait voyager, les yeux bandés, une personne de la région de Gandhara, pour l'abandonner ensuite dans un lieu désert, cette même personne se tournerait alors vers l'est, puis vers le nord, puis vers le sud, puis vers l'ouest en criant « On m'a emmené ici les yeux bandés, on m'a emmené ici les yeux bandés ». Quelqu'un lui ôterait alors son bandeau en lui disant « La région de Gandhara est par là ». Il irait ensuite de village en village, demandant son chemin, renseigné au fur et à mesure, et prenant conscience par lui-même, il finirait par atteindre son pays natal. De même, ici-bas, seule la personne qui rencontre un enseignant parvient à la connaissance. Sinon, elle errera aussi longtemps qu'elle ne se sera pas libérée de son bandeau. Alors seulement, elle arrivera. Et cet être, et cet être qui est l'essence la plus subtile de toute création, il est la réalité de tous les êtres. Cette réalité, le soi, tu es cela, Shvetaketu, vénéré Père. J'aimerais mieux comprendre qu'il en soit ainsi, qu'il son père. Il va l'épuiser, son fils. Hein? donc c'est une belle histoire. Donc vous voyez, j'y ai déjà répondu, d'accord? J'ai dit, ouais. Quel est ce moyen de connaissance voilà. dont on a besoin? C'est les mots de cet enseignement. Je dirais, les Upanishads, tout enseignement. Pas forcément indien, c'est pas forcément au point d'échelle. Tout enseignement qui a cette capacité à vous faire voir la réalité de ce qui est, appelons-le Vedanta, d'accord ? Ou disons que c'est le moyen de connaissance dont on a besoin. Un moyen de connaissance systématique, éprouvé par une succession ou une lignée d'enseignants, et qui a fait ses preuves pour faire parvenir des gens à voir ce dont il s'agit. D'accord ? C'est ça l'ambition du Vedanta. La seule visée du Vedanta, c'est ça. Voir ce qui est, c'est tout. Hein? Pas sûr. Pas sûr? Ça dépend dans quel sens on aura ce qui est. Non. Parce que c'est ce qui n'est pas, mais qui est derrière. Dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui. Il n'y a pas d'autre idée. C'est juste un moyen de connaissance. Ou, mais dans un sens plus existentiel, un moyen de moi de me libérer de mon sentiment d'insatisfaction, d'incomplétude. Ok ? On peut le mettre aussi sous cet angle. De combler cette aspiration que j'ai à la plénitude, à me voir heureux. Ok ? Moyen de connaissance. Ok ? Alors, ici, une très belle analogie avec une personne qui a les yeux bandés, donc bien sûr, qui représente cette ignorance. Non seulement ignorance, mais aussi confusion. Elle se retrouve jetée dans un endroit quelconque, dans une région de Gandhara, dans un lieu désert, et elle se tourne dans toutes les directions, et elle dit, mais où est la sortie, monsieur ? Donc elle n'est pas juste ignorante de la nature de ce qu'elle l'environne, d'elle-même, Elle est dans un état, je dirais, comme l'oiseau, qui virevoltait d'ici et de là et qui n'arrive pas à se libérer de ses liens qui l'a grippé. Cette manière, de la même manière, cette personne va partout dans toutes les directions et dit hey, « on m'a amené ici les yeux bandés, on m'a abandonné ici les yeux bandés, qu'est-ce que je peux faire? S'il vous plaît, trouvez-moi quelque chose. » Quelqu'un qui passe par là lui ôte le bandeau. Vient en contact avec un enseignement. Celui qui lui ôte le bandeau de ses yeux lui permet de voir c'est qui ? Cet enseignant qu'il rencontre. Un enseignant qui connaît cette méthodologie d'enseignement.
Et là, il lui dit, la région de Gandhara est par là, et voilà le chemin. Le chemin est celui de la connaissance de soi. Voici les différents niveaux, ou ce qui est requis dans cette quête ou dans ce chemin. Une certaine préparation, tu as besoin d'avoir notamment cette extension de ce jeu. Plus altruiste, plus de compassion, gérer sa subjectivité, gérer ses émotions, etc. etc., etc. Avoir un esprit plus tranquille, plus centré. Donc, on peut à l'infini ici dire, voilà les indications ou la préparation qui est requise pour cet enseignement. On dit, voilà le chemin. Et avec ces instructions, il poursuit son chemin et il revient où ? Chez lui. D'accord ? D'où il était parti. Donc, renseigné au fur et à mesure, prenant confiance par lui-même, il finirait par atteindre son pays natal, son pays d'origine. De la même façon, ici-bas, seule la personne qui rencontre un enseignement parvient à la connaissance. D'accord ? Donc, pas juste un moyen de connaissance, c'est ok, c'est le livre, c'est les mots. Laissez-moi lire les Upanishads et donnez-moi une traduction, je vais lire et puis bon, ça ira. Vous avez essayé de lire les Upanishads, imaginez, vous lisez ça tout seul. Vous lisez la Bhagavad Gita et les Vedas tout seul. Non, je suis capable de lire. Essayez. Il y en a plein qui ont cette arrogance de dire, j'y vais y arriver par moi-même. L'enseignant, il n'y a aucune glorification de l'enseignant dans cette tradition. C'est juste un passage. Quelqu'un à qui on a donné certains outils, certains moyens de communiquer des choses avec des méthodes, et qui, juste, il ne fait pas peur d'originalité ou de créativité. Tout ce que je dis, je l'ai appris de mon enseignant. Cette manière de décoder, d'approcher les textes, etc. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis. Le seul truc nouveau, peut-être, c'est, je connais un peu de physique, ou je mets un peu en rapport dans le contexte de notre actualité. Mais les méthodes elles-mêmes, moi j'imagine un enseignant il y a 5000 ans, il devait utiliser son pot aussi. Et il devait avoir des cristaux aussi. Il avait l'eau et la vague et l'océan, etc. D'accord ? Il n'y a pas de culte de l'enseignant. Le seul engagement qu'on a, c'est l'engagement, on respecte l'engagement de la personne qui veut s'engager pour trouver la réalité. Où est la sortie ? La vérité de lui-même. C'est tout. On l'aide. Parce qu'on sait qu'on a un outil, on a un moyen d'accéder à cette liberté. C'est tout. Est-ce qu'on finit ça cet après-midi ? Il est tard. On finit le reste cet après-midi, ça va être un peu. Ok ? Vous les répétez ? Purnamada Purnamada Purnamidam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnasya Purnamadaya Purnamadaya Purnameva Purnameva Vashishyate Vashishyate